Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un événement auquel j'ai assisté il y a quelques jours. Il s'agit du Velleda Beauty Tour. Alors si vous ne connaissez pas la marque Velleda, c'est une marque naturelle, bio, qui existe depuis 1921, donc genre super longtemps, c'est un peu les pionniers du bio. Je vous laisserai aller découvrir par vous-même tous les produits. Le sujet de la vidéo, c'est un petit peu plus pour vous parler de l'événement, puisque j'ai été invitée par la marque Velleda pour être un peu la blogueuse ambassadrice trop de guillemets, de la soirée qui se déroulait à Paris. Ce qui était cool, c'est aussi que j'ai eu l'occasion de faire gagner à 4 d'entre vous une invitation pour la soirée, donc je crois que vous vous êtes bien amusés et ça me fait vachement plaisir. Donc en gros, le Velleda Beauty Tour, ce sont des soirées un peu cocooning, organisées autour de la marque Velleda, autour du bien-être, et qui se déroulent dans plusieurs villes de France, donc il y a Rennes, Reims, Montpellier, Paris, je sais plus trop quelle autre ville, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc en gros, il suffit juste de vous inscrire sur le site de Velleda pour participer à la date de votre ville ou de celle à laquelle vous voulez participer. Et si vous avez un peu de chance, vous serez tiré au sort pour assister à la soirée. Donc pendant la soirée, il y avait plein de trucs super sympas, il y avait des ateliers d'automassage, des mains, des avant-bras, de massage de visage, bon même si ça j'avais pas trop envie de le faire parce que j'aime pas trop me tripoter le visage. Sinon il y avait un atelier aussi de customisation de cupcake avec la blogueuse Cupkilleuse, donc ça avait l'air super sympa. J'ai pas pu y participer mais j'y ai assisté de loin, spectatrice. Il y avait également un atelier floral avec Lily Griffiths où on a réalisé une petite couronne de fleurs, enfin c'était plus un petit headband, un bijou pour les cheveux. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne me va absolument pas, j'ai l'air absolument ridicule, voilà, on dirait un œuf de Pâques, c'est ridicule. Mais bon, ça c'est pas de sa faute, hein. C'est ma tête. Moi j'ai fait l'atelier floral et j'ai fait un massage en cabine parce que bon, c'est hors de question de repartir sans m'être fait masser par une professionnelle. On pouvait se faire soit masser les mains, soit le cuir chevelu, j'ai choisi le cuir chevelu, c'était trop bien. Sinon il y avait aussi un petit quiz auquel on pouvait participer et les gagnantes repartaient avec un petit package de produits Velleda, donc c'était cool. Et ce qui est super sympa aussi, c'est qu'on est toutes reparties avec un tote bag Velleda qui est plutôt joli franchement, parce qu'en plus il a un format quand même beaucoup plus original que les autres, on peut mettre beaucoup plus de choses. Et dedans il y avait des petits échantillons, des full size et tout. Donc voilà, je vous encourage à vous inscrire sur le site puisque de toute manière c'est gratuit et la seule chose que vous risquez, c'est de gagner une soirée cocooning, donc c'est plutôt pas mal. Pendant la soirée j'ai filmé quelques petites images pour que vous vous rendiez compte un petit peu comment ça se passe, l'ambiance et tout, comme c'est sympa. Je vous dis au revoir tout de suite parce que je reviendrai pas après la vidéo, ça sert à rien. Je fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut! La barbe! J'ai la barbe fleurie! C'est canon comme ça, non? Petite barbe fleurie là. Ah ouais, ça me va vachement mieux en fait comme ça. Popopo, je suis le père Noël bio. Je vais vous apporter plein de cadeaux bio. Thank you.